Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Let's Play de la peur. Bouh ! Désolé, je vous ai pas prévenu avec ce jumpscare, je le referai plus. Aujourd'hui, on ne fera pas de l'horreur classique avec des zombies, des fantômes, tout ça. On va jouer à un jeu de SF tiré d'un film très connu, Alien Isolation. En même temps, tout le monde a lu le titre de la vidéo, donc il n'y a pas de surprise. Bref, donc Alien Isolation, qui n'est pas un jeu VR à la base, mais on peut y jouer grâce à une petite astuce, c'est-à-dire il faut installer un logiciel qui permet de trafiquer le jeu et de pouvoir y jouer en VR. Bref, ça fonctionne, c'est essentiel. Et aujourd'hui, donc, on va jouer non pas à la campagne principale du jeu, mais à un DLC, c'est-à-dire Last Survivor, qui est tiré directement du film, donc on incarne Ripley, et ça se déroule dans les dernières minutes du film, c'est-à-dire quand elle va pour lancer l'autodestruction du Nostromo et s'enfuir dans la navette à bord du Narcissus. Et le truc qui est sympa en plus, c'est que tout le cast d'origine était revenu pour enregistrer des voix pour ce jeu, justement, donc c'est vraiment cool. Du coup, on n'attend pas plus longtemps, c'est parti. C'est parti, nous sommes dans le vaisseau. Ok, donc là c'est Parker qui est parti chercher des refroidisseurs, il me semble. Si je me rappelle bien. C'est parti, on y va. Donc, nous sommes les trois derniers survivants du vaisseau. Oh my god. Oh là, c'est très très près. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer chez moi. Je crois que c'est les vrais sons du film. Lambert, c'est la fille, Parker, c'est le black qui a le bandana. Voilà, alors Hold, LT. Ah, oh, c'est très très près, oh là là là, quelle idée de faire ça en vert. Whop. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Alien Isolation, donc il faudra se remettre un peu dans le bain. Attends, je crois que j'ai sélectionné Medikit, j'ai que ça. J'ai un Flame Power. Yes. Yes. Yes, on lui fera la peau à cette saloperie. Qu'est-ce que nous avons là? Collect Compound, c'est du matos pour crafter. Est-ce que, attends, j'ai pas une torche. Je reprends mes marques, en même temps c'est l'excuse pour pas foncer tête baissée dans le danger. Essayer d'apprivoiser la VR. Parce que vu que le jeu a pas été conçu pour ça, c'est pas top top confortable. J'ai l'impression d'avoir le nez collé, pourtant j'ai réglé la fauve. N'empêche, le jeu est très beau. Là il tourne en ultra en plus en VR. Attends, voilà, je suis là. D'accord, il faut aller de ce côté-là. Est-ce que je peux contourner? Ouais, je peux passer par ici. Ah, je le vois pas. Il faut que je tourne la tête vers la gauche pour voir mon détecteur à cause de la VR. Merci le progrès, merci le futur. Voilà, donc le jeu est en anglais. Je l'ai passé en anglais justement pour pas avoir les doublages français. Parce que je veux entendre la vraie voix de Sigourney Weaver. C'est par là. Oh boy. C'est là, c'est Hervé. Je fouille partout. C'est un endroit pour se cacher. Ok, parfait. Oui, il est là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est très près. Monsieur Lewis. Il est où? Je vois pas. Non, j'entends pas. De toute façon, le truc il fait des bips. Donc je serai guidé par les bips. C'est là. Oh god. Merde. No. Allez, il est là. Ils sont morts les deux. Je suis la dernière survivante du Nostromo. Ah la vache. Oh putain, c'est super bien fait quoi. Oh god. Ah, elle a des recharges pour un lance-flamme. Désolé de passer pour un sans-cœur, mais. Search, t'as quoi dessus? Flair. J'ai un flair maintenant? J'ai un flair, ok. C'est. Ok. Fusée de détresse. Oh putain, il est par là. Un endroit pour se cacher. Ah, c'est fou la trouille! Je sais qu'il est là. En plus, le jeu il est bien conçu, c'est-à-dire voilà, on voit flou quand on active le détecteur. Mais il revient, mais fous-moi la paix! En fait, il est perdu. Je comprends pas, je suis déjà passé par là, pourquoi vous me faites chier? Je vois pas. Je suis accroupi, je suis debout, je fais du bruit debout. Je reste accroupi. J'entends les derrière. Il est derrière. Il est là. Non. Et j'ai pas eu le temps.
Mais ça marche très bien en VR, c'est cool. Thank you. Yes, 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 yes. Alors faut faire quoi? Scrap. Oh merde, il est pas loin. Coucou. Non, je suis pas là. Y'a personne. Ah mais merde! Mais non! Mais pourquoi il m'a vu? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il est là, Jojo. Il me suit. Ok, je suis retourné dans ma boîte. Ce coup-ci, ça a marché. Je pense que j'ai dû éternuer tout à l'heure. C'est pour ça qu'il m'a vu. Youhou! Est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Nanana. Y'a personne. C'est occupé. Monsieur. Laissez-moi, tranquille. Toujours là. Espèce de enfoiré, va. Ok. Ce coup-ci, c'est la bonne. On active ça. Voilà. Merde, on l'entend arriver. Allez, qu'est-ce qu'il faut activer là? Use. Bibi boop. Il arrive. On peut rentrer là-dedans? Ok. Du coup, j'ai pas de lumière, je vois rien. Je vois absolument rien. Ok, il faut aller là. Très bien. Il est pas loin. Je peux me cacher là. Voilà, on va jouer à cache-cache. Dans l'espace, je l'entends. Il est très très proche. Allez, cassos. Ah, wouchou! Ah, un malox, vite! Et la griffouille! Griffe! Où es-tu, petit? Il est là. Allez, on va aller se cacher par ici. Et par là. Caché, on reste accroupi. Ça va bien se passer. Ce merveilleux hangar qui est très bien fait. Il y a un meurtre dans le film en plus dans cet endroit. Ça ne me rassure pas du tout. Ok, pas de bruit. J'ai lance-flamme au pire. Lance-flamme, attention, hein. Attention, moi je brûle, hein. Attends, est-ce que je vois les patounes? Si, je vois les patounes. So close, ouais, il est tellement près. De communiste. Vas-y. Tire-toi. Non, je veux pas jouer à cache-cache avec toi. Non, c'est pas rigolo. Ça n'est pas drôle. Tu m'as vu ou pas? Oh putain. Je suis pas là. J'en ai marre de cache-cache. J'ai trop joué à ça en primaire. Vas-y, tire-toi, vas-y. Va-t'en. On ne revient jamais. Allez, on va le tenter. On le tente. Qu'est-ce qu'il faut activer? C'est là. Ah, ça pue. C'est ouvert. Je veux plus jouer à trap-trap avec toi, hein. Moi j'en ai marre. Il fait que tricher. Il n'est pas très très loin. C'est le petit alien. Il n'est pas très très loin. Il va faire que m'embêter. Petit alien. Où es-tu? Hello. Oh, la triche! On
pouvait retenir sa respiration, mais je l'ai pas fait. J'étais en panique. J'étais en PLS. Allez, on recommence, c'est parti. Wouh ! Du coup, la chose intelligente à faire, ça serait d'utiliser le lance-flamme. Mais je me rappelle que dans le jeu, les munitions, elles partent super vite. Donc je sais pas combien de temps dure la mission. Donc j'aimerais l'économiser à mort, quoi. Ok, ok, il est pas là, on en profite. On sprint. Je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, allez, on active ça. Je t'ai brûlé. Putain. Je vois pas. Pas vu, pas pris. Allez, ouvre-toi. Allez, pêche. Allez, je force le passage, allez. Allez, on fuit. Je veux pas le savoir. C'est par là ou pas? Non, c'est pas par là, c'est par là. Dedans, t'as perdu. Ouh, attends, on se calme. On doit aller jusque là-bas. Très bien, bordel de flûte. Et il est derrière. On va essayer de trouver des planques. Je reste accroupi maintenant, je m'en fous. Je suis en mode Gollum. Je fais du bruit. C'est pas intelligent de faire du bruit. Allez, garde tout ensemble. Attends. Je suis presque. Allez. Putain, dépêche-toi. Dépêche-toi. On y est, nom de Zeus. On peut se cacher là, c'est bien. On y est. Ok, on reste, on fait pas de bruit. On y est presque, allez, come on. Son of a bitch. Release the self-destruct. C'est ça, hold. Allez, come on. Oui. On tire des leviers, ça ouvre. Allez, activate the self-destruct. Ah yes, c'est comme dans le film, c'est très bien fait. Bip, bap, boop, blip, bloop. Allez. Allez, il va venir me tuer quand je fais ça, c'est obligé. Les alliés ne respectent rien. Même pas l'autodestruction. Voilà, on visse. On tire, hop là. C'est un super jeu éducatif. Allez, un quatrième, un troisième. Voilà, hop. Piche-toi. Je ne peux pas regarder. Autour. On est bon. Ah, c'est cool, c'est comme dans le film. Et c'est flippant. Je ramasse des trucs, je sais pas ce que c'est. On n'a pas le temps. J'ai du lance-flamme, attends. Combien j'ai de mission? 140, je sais pas à quoi ça correspond, mais... Alors... Attends, pourquoi il y a des trucs de danger? On doit aller super loin, c'est chaud. Enfin, du coup, on n'entend pas. Il est où? Merde, c'est fermé. Oh, ça craint. Il va être camouflé par le bordel. Eh oui, Danger, je sais, c'est moi qui a enclenché la pétarade. Ah, il est pas loin. Bon, faut que je le crame. Attends, je sais pas où c'est que je vais. Oui! Crève, saloperie! Putain, mais je t'ai eu! Debout! Debout, replay, putain! Allez, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Non! Ah, le troisième brûlage, il a pas aimé. Je peux passer par là? Yes. Ah, je t'ai fumé, mec. Ripley chante, elle a pété un boulon. Il est pas là. Allez, speed, on y va. C'est fermé, nom de Zeus. Bordel. Il est là. Dans le vent. Ouais, t'as gagné. Bon, on a 5 minutes. Donc on peut y aller en bourrinant un peu moins. Je dis ça et je fonce comme un foufou. Où est-il? Il est là. Il est pas loin.
c'est la panique. Tiens, non, je t'ai cramé, hein. Ah, oui. Au passage, je sais pas où il mène, mais... Attends, du coup, on arrive, on y est presque. Est-ce qu'on est là? Oui, c'est là. Climb. Non, tu ne mourras pas. Non. Ah, bouffe, corps de merde. Allez, la libération. Allez. C'est entendu, saloperie. T'es où? Allez. Il est où? Allez. Le vaisseau est pas loin. La navette. Allez. La libération. Allez, go. Allez. J'ai gagné ou pas? Final report of the commercial starship Nostromo. Yes. Lamp. Parker. J'espère que le chat qui est avec moi ne me fera pas caca dessus pendant tout le trajet. Yes! Et voilà, donc c'était Alien Isolation en VR, c'était bien cool, ça faisait pas mal flipper quand même, et un peu la gerbe aussi sur les bords. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des Let's Play de la peur. Salut!